Champenoise, on est une agence d'ETF, mais à la fois on est une filiale. Alors ce type de chantier ligne fermée, effectivement, ne sont pas des chantiers, je dirais, du quotidien, mais on en réalise régulièrement. On est sur un chantier qui a démarré mi-juin, en fait, et qui dure jusqu'à mi-novembre. Bon, la ligne, c'est entre les Échets et Villars-les-Dombes. Il y a 7000 traverses à remplacer. Là, on a traité 12000 mètres de relevage. On a 5000 mètres de remplacement de ballast et de traverses en recherche. Donc, c'est un chantier qu'on a pris en groupement avec trois entreprises. Première entreprise qui s'appelle Sécurail, qui va gérer la sécurité propre de nos travaux. Et puis l'entreprise FRA aussi, Ferroviaire Rhône-Alpes, qui nous accompagne sur ce projet-là pour réaliser des travaux plutôt de remplacement de traverses. Champenoise a gardé, je dirais, la partie coupe un peu plus importante avec du RBRT qu'on réalise à l'aide de nos porticloris automoteurs. Donc on en a 13 à la Champenoise, ce qui nous permet de créer et de déposer les panneaux en grande longueur. Les deux points principaux pour nous sont effectivement la régularité et le délai, le respect des délais qui nous sont imposés, et puis le respect aussi des normes et de la qualité qu'on se doit pour restituer les voies correctement. Oui, c'est un métier effectivement de passion, et puis sur une ligne fermée comme ça qui tourne en deux postes, on a des gens qui sont impliqués sur des grosses amplitudes, donc effectivement il faut avoir cette motivation-là pour s'impliquer de façon importante. Donc on a une équipe avec plusieurs conducteurs de travaux présents, donc un pour chaque entreprise. On est fiers de l'ensemble de notre personnel. On a quand même des compétences techniques et du savoir-faire. Par contre, si on n'avait pas nos forces vives sur le terrain aujourd'hui, on ne ferait pas ce qu'on fait. Ça, c'est sûr.